Mais pourquoi t'as fait ça? Mais je pensais qu'il allait t'agresser, donc je sais pas, ça a été un réflexe. D'où tu as sorti ce couteau? Eh bien, c'est pour me protéger, donc je l'ai toujours sur moi. Il faut absolument vérifier s'il est encore en vie. Alors, est-ce qu'il respire? Vite, avant que quelqu'un ne nous voit. Bon, eh bien écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, il est mort, il ne respire plus. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute Lexi, effectivement, je sais pas ce qu'il allait faire, mais il allait faire quelque chose, ça c'est sûr. Mais le problème là, c'est que en fait, à l'atelier garage, je suis seule avec lui. Dans tous les cas, je suis dans la merde, tout simplement parce que dans tous les cas, ça va être relié à moi directement. Je vais directement être inculpée de son meurtre. Je peux rien faire, je suis bloquée. Écoute, c'est moi qui ai fait ça, donc c'est à moi qui devrais avoir cette responsabilité d'aller se dénoncer. Je vais aller les voir et je vais leur dire. Je sais que t'as fait ça pour me protéger et je te suis redevable. C'est pour ça qu'on va essayer de trouver une autre solution. Écoute, on va le balancer dans la fosse. On va essayer de trouver un outil tranchant qui pourrait ressembler à un couteau et le mettre en dessous et je vais aller les voir et je vais leur dire que c'était un accident. Et pourquoi on ne leur dirait tout simplement pas la vérité? Qu'il était sur le point de t'agresser et que je t'ai protégée, c'est tout. Lexi, personne ne va nous croire. On est des détenus qui avons assassiné un gardien. Bon, d'accord. De toute manière, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Ok, aide-moi à déplacer le corps pour que ça fasse plus naturel. Moi, je prends par les bras, tu prends par les jambes. Je vous ai dit tout ce que je savais. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Il est juste tombé dans la fosse, et puis il est tombé sur cet outil. D'accord, mais tu comprends que je te fais répéter parce que j'ai vraiment besoin d'avoir tous les détails possibles afin d'aider au maximum les enquêteurs qui sont sur cette affaire. Je sais que ça en a vraiment pas l'air, mais je suis innocente. Je ne lui ai rien fait. C'est ce qu'ils disent tous, effectivement. Non mais c'est vrai, je suis vraiment innocente. Mais pourquoi ça a pas l'air de vous atteindre plus que ça? Ce n'était pas votre collègue? Effectivement, c'est notre collègue, mais il venait à peine d'arriver, j'ai même pas eu le temps de faire connaissance avec lui, et je suis confrontée à la mort tous les jours, donc bon... Non, non, ça ne m'affecte pas plus que ça. Maintenant, je vais devoir t'expliquer, Jana. Il va falloir que t'ailles en isolation jusqu'à ce que les enquêteurs y fassent leur petite enquête. Pour déterminer si oui ou non, c'était bien un accident. Auquel cas, il pourrait y avoir un procès, etc., etc. Tu connais la suite, t'es déjà passé par là. Je comprends, mais je suis déjà en prison, donc pourquoi me mettre à l'isolatoire? Je veux pas y aller. J'arrête pas d'y être en ce moment. Être dans une prison n'empêche pas de faire d'autres délits. Et si on te met dans la salle isolée, au moins, on isole les problèmes, comme on dit. Bon ok, mais combien de temps que ça va prendre? Des heures, des jours, peut-être des mois, je ne sais pas. Et pendant tout ce temps-là, je vais attendre dans cette salle? Oui, pour le bien commun, nous sommes obligés de t'isoler, et puis bon, hein, c'est pas comme si c'était vraiment notre problème. Maintenant, lève-toi, je vais t'emmener dans la salle. Ouais, c'est ça, allons-y. Le gardien venait à peine d'arriver, il est déjà mort. C'est terrible, non? Non, pas vraiment, pas si terrible que ça. Tu sais, je ne l'aimais pas. Vraiment pas du tout. Pour te dire, ça m'arrange même, sa mort. C'est vrai, mais tu m'as toujours pas dit qu'est-ce qu'il y avait comme problème entre vous. Ah, tu es vraiment sûre que... Tu veux partir sur ce sujet? C'était mon ex, déjà rien que pour ça, il devait mourir. Et puis... C'est pas comme s'il était innocent. C'est vraiment une personne horrible. Il est de voir pire que moi. Je me demande pour comment ça se fait qu'il n'est pas dans un gang, Yves. Vraiment, lui, dans les forces de l'ordre, c'est n'importe quoi. Et puis... Franchement, c'est l'occasion, vraiment, qu'il ne me fasse pas de chantage parce que... Je pense que c'était pour ça qu'il était ici. Tu penses qu'il allait te faire chanter? Oui, je pense. Ou quelque chose d'autre. En vrai, je m'en fiche un peu maintenant qu'il est mort, mais... Tant mieux pour moi. Attends, ça veut dire qu'il avait des dossiers sur toi? J'en sais rien, Calice, mais ce que je sais, c'est qu'il a vraiment eu du mal à digérer notre séparation et que n'importe où, il aurait fait n'importe quoi pour se venger. J'en suis sûre à 1000%. Tu sais comment ils sont, les hommes. Ouais, c'est vrai, l'ego des hommes. Ils sont capables de tuer pour ça. Pour le coup, on peut dire que son ego, eh ben, ça l'a tué.
Kenny, tu es là. Oui, toujours dans la paperasse comme tu vois. Alors, cet interrogatoire, qu'est-ce que ça a donné? Tu connais toujours les mêmes questions, rebelote, et on travaille au corps pour essayer d'avoir des détails à chaque fois, qu'on lui demande de répéter ce qu'elle a fait. Mais je t'avoue que j'ai une bonne intuition sur cette affaire quand même. Ah oui? Et ton intuition, elle te dit quoi? Son histoire n'est pas claire, et quand même, un gardien mort durant un atelier qui... où il y a très peu de chances qu'il arrive un accident. Très louche cette histoire. Et puis sa version, qu'est-ce qu'elle a sa version? Elle répète toujours exactement la même, comme si elle s'était entraînée juste avant. Tu sais, comme un texte que tu apprends avant de réciter dans la classe. Et ce genre de personnes, en général, ce sont des personnes qui cachent quelque chose. Clairement, tu peux me le dire. Tu penses qu'elle est coupable? Coupable, je ne sais pas. Je ne suis pas à la place des enquêteurs, mais c'est sûr qu'elle cache quelque chose. Je pense que je vais devoir mener ma propre enquête. Et moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu devrais laisser les enquêteurs faire leur boulot. Cette histoire est bien trop louche. Franchement, vu le casier de Jana, ça m'étonnerait qu'elle serait capable de tuer un homme. Tu penses vraiment qu'elle n'en serait pas capable ou tu essayes juste de te rassurer parce que tu as le béguin pour elle? Arrête de dire des âneries pareilles, ça va pas? Et puis au moins, faut dire ce qui est, tu récupères l'atelier garage, non? Vu que Jace n'est plus là, et il risque pas de revenir. Bordel, Jacob, qu'est-ce que je t'ai dit? T'es pas drôle. Et puis de toute manière, l'atelier garage, il a été complètement annulé. À cause de cet accident. Oh, c'est bon, je t'ai connu bien plus drôle et réceptif à mes blagues. Je retourne vers ma ronde. Je t'ai juste passé pour te dire ce qu'il en était de l'interrogatoire. Parce que je sais que tu l'aimes bien, cette petite. Allez, à plus tard, Kenny. Ah, et merde, je sais vraiment pas viser. Ah, j'en ai marre de ce jeu stupide. Pourtant, t'as du potentiel, tu devrais t'entraîner un petit peu plus, et je suis sûre que tu vas t'en sortir. Calice, arrête de faire la faillotte, je sais très bien que j'y arriverai pas. Et que tu fais ça juste pour me faire plaisir. Sabrina, il faut que je te parle. Tu vois bien que Sabrina, elle est occupée, non? Allez, va voir ailleurs. Attends, Calice, ne sois pas si impoli. Qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. J'aimerais pouvoir te parler, mais en privé, ça ne te dérange pas. En privé, tu dis? Qu'est-ce que c'est intéressant. Au moins, ma journée sera moins ennuyeuse. Calice, tu peux rester là, au pire, surveille mon ballon, j'en viens. Allez, suis-moi, je vais t'emmener dans un endroit. Et j'espère vraiment que tu me fais pas perdre mon temps, parce que sinon je vais devoir te redonner une correction. Lexi, tu sais très bien que je t'aime, mais fais attention quand même, tu ne peux pas venir m'interpeller comme ça pour me demander à me parler, tu sais très bien que c'est à moi de venir vers toi. Oui, Sabrina, je sais, et je suis désolée de devoir venir te voir comme ça, mais il faut que je te demande quelque chose. D'accord, Lexi, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment très dangereux. Si on nous voit ensemble, et si quelqu'un a des doutes, je vais devoir vraiment te faire beaucoup de mal, Lexi, et je veux pas faire ça. Vraiment, là, c'est le moindre de mes soucis. J'ai vraiment un gros problème. Et moi qui pensais que tu voulais me voir pour qu'on passe du temps ensemble. Bon, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, je te sens un petit peu contrariée. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu sais, c'est par rapport à Jace. Mais Lexi, Jace, c'est une histoire passée. En plus, il est mort, donc pourquoi tu t'en soucies? Et puis, l'autre, là, la nouvelle détenue, là, je sais même plus son nom. Eh ben, celle qui va aussi disparaître de cette prison, parce que je suis sûre que c'est elle qui lui a fait quelque chose. En parlant de ça, en fait, c'est pas tout à fait Jana qui a fait quelque chose à Jace. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, Sabrina, je t'aime. Je pense que je t'aime vraiment très très fort. Et en fait, quand j'ai vu Jace débarquer dans cette prison... comment te dire? J'ai brillé, je t'avoue, j'ai brillé parce que je sais ce qu'il t'a fait. Je sais qu'il a été violent avec toi et tout le reste. Donc, j'ai pris mon couteau et je suis allée le voir et j'ai pas du tout pensé aux conséquences. Je suis arrivée dans l'atelier et tu connais la suite. T'es en train de me dire que c'est toi qui a... Non, c'est pas possible, mais... Non, c'est pas possible. Jana a pris sur elle pour l'instant, mais
Si ça continue comme ça, les enquêteurs vont forcément trouver à un moment donné ou un autre une preuve qui prouve que ce n'était pas un accident. Et je ne peux pas laisser Jana porter ça sur son dos. Elle pense que j'ai fait ça pour la protéger elle, mais en fait c'était pour toi. Et je lui suis quand même un minimum redevable pour ce qu'elle fait, parce qu'elle m'a pas dénoncé. Mais je sais pas si ça va durer. Lexi, je t'aime vraiment fort, mais... qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ça? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai bien une idée, mais pour ça... j'ai besoin d'un petit service. Après ce que tu viens de faire, je ne doute vraiment pas de ton amour. Je vais m'exploser la tête contre les murs, j'en ai marre. J'ai besoin d'informations sur cet accident. Et si pour une fois ce gardien était différent des autres? Ah, tu es là, Sabrina! Tu m'avais promis! Il te suffit de me dire un mot, Sabrina, et je règle son compte dans l'immédiat.